Resident Evil 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et après une grosse pause bouffe, nous retrouvons. Je n'entends pas bien le feu de jeu. Nous nous retrouvons donc avec Léon S. Kennedy pour Resident Evil 2. Quoi? Mais c'est que j'entends ce connard! Des synchros, visez, hop. Ok, donc là j'ai la clé de trèfle, je peux aller là. Le problème c'est que là il y a un putain de connard. Est-ce que j'ai oublié? Déjà de faire le tri de mon inventaire, donc c'est cool. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de retourner. Là? Vas-y, tu sais quoi? Non, en fait, tu moi. Comme ça, je range mes affaires. Putain, mais c'est qu'il va me poursuivre, le fils de pute. Affronte-moi! Censuré par la botte du gentil monsieur. Putain, donc ce fils de pute me suit. Passer un mode facile, continue. Bah non. Bah ça, je suis mort que deux fois. Hein. Non, attends. Charger parti. En vrai, je pense que j'aurais dû faire carrément charger parti. Je pense que c'était possible. Zombie. Il est parfois difficile de dire si un zombie représente encore une menace ou non. Pour en être sûr, utilisez votre couteau ou alors... J'ai pas le temps. Ok, alors on va mettre ça à l'abri. Il va prendre ça. Déjà. Je peux pas. Clé? Badge du Stars, ok. Putain, maintenant on a 50 clés, 50 merdes. Ce truc, j'ai... On va le garder parce que vu que le jeu est assez avancé. La PS4, ça fait un de ces bruits, c'est un truc de ouf. Ah.
Examiner. Ah, c'est pour le... Faut que j'aille à la bibliothèque. Le mieux étant de faire le tour, parce que là je pourrais pas passer en étant derrière, moi de me faire choper quoi. Il va falloir couvrir tout ça, aller là, passer là, venir là. What? Mais calmez-vous, monsieur. On touche pas, patriote. Oh putain. Je peux passer là. Putain! C'est chaud, hein? Il y a beaucoup d'ennemis ici. C'est difficile d'être difficile. Allez, on monte. On arrive là. Ah putain, c'est une merde cet endroit. DCM. Ben, tout à vous. Putain, le putain d'énigme. Quoi? Ah non, non, ok.
Oula, pourquoi c'est un petit? Ok. Qu'est-ce qu'il me reste comme chose? Oh putain. Ok. Il manque un écrou. L'écrou est quelque part caché dans le parking. C'est quoi que j'ai entendu? Et que ça... Mais en attendant, je... Je sais pas si tirer ça fait tomber les munitions. Des trucs, je sais pas ce que c'est. Ok. Pièce de panneau électrique. Thank you.
putain. Je sais pas ce que il est stressant le connard parce qu'il te suit mais je sais pas si on peut le tuer. Merde, fallait que j'aille où déjà? Ou pas? Tout
peux rentrer, ça doit être une salle d'énigmes réservée. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. J'espère que personne n'a entendu ce boucan infâme que sûrement toute la ville a entendu. Ça sert à quoi ça? Quoi besoin pour sur mesure pour un panneau électrique? Ok, nous sommes donc arrivés IM. Où devons-nous aller? Ah, mais attends. Salle du générateur. Ouais, faut aller là-bas. Chou, moi. Je suis là, je redescends là. Putain, non. Il y avait un truc là. Je vais là. Je descends là. Descends là. Je peux pas descendre là. Faut que j'aille là. Il faut que j'aille sur la terrasse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme beau livre?
Ok. Non, attends, ça le générateur c'est juste là. Non, je trouve que je dois faire le tour comme ça. Et là, il y a le parking, je trouverai sûrement ce que je veux. Je vais le sortir par là et de faire le tour ici. Quoi? Oh, je sais pas, il y a putain. Ici. Comment je vais là? Putain, c'est des tours de merde. Ma batterie est faible. Je sais pas si vous entendez les tung dung dung, je suis désolé. Je peux la jeter, mais je la foutrai dans une...
Ok, donc maintenant. Ta gueule. Merde, putain! Obtenir la clé de parking. Panneau électrique, tiens, je suis débile. Machine en arrière, toute. Capitaine, la barre est à fond. Lui, il était totalement aveugle et sourd. Et en plus, il avait un mauvais odorat. Beau le chien, mais il est pas du ça. Je suis cruel quand je dis ça. Là. Yes, encore une énigme. Chapeau de Rangers. Ça va faire toutes les grilles. Oh. Hein? Oui, oui, mais cela n'explique pas les rumeurs qui courent sur l'orphelinat. Et le fait qu'Umbrella fasse partie des bienfaiteurs ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ah, Annette, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virus G. Où avez-vous sur ce plus de contre dans la ville qui, d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez m'en dire plus ou est-ce que cet entretien est terminé? Connasse. Ben. Le commerçant est infesté de infesté de monstres. Même ici, je ne peux entendre leurs gémissements. Mais ce n'est pas des zombies
que j'ai. Ce n'est pas des zombies que j'ai le plus peur. Nom de code Tyran, l'arme biologique ultime développée pour le plus grand secret par ces enfoirés. Rien que de penser que cette créature peut se balader dans les parages, il y a des chances pour qu'il ait ordonné de tuer les témoins. Donc c'est le Tyran. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'il essaie de fuir. Ça, ça craint. Grenade. J'ai pas de grenade, putain, j'ai plus rien. Yeah. Oh. Tu ressens le Frankenstein. Merci Ada. Oh, il m'a quand même bien fait mal. Ada. Ça commence à bien faire. Déjà deux ouais, bah fois. Attendez, tu m'avais pas donné les moyens de sortir. Et pourquoi t'as pas défoncé ça, la porte? Écoute, ce n'est pas un putain de parking avec la voiture. Oh, rien ne meurt ici, tu comprends? Ah, il est mort. J'imagine que tu as la carte. Ouais. Et ça? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Ouais, on pourra écouter ça après quand même. Fiche encore d'ici. Allons alors, Felina. Oh, j'ai pas trouvé la clé de cœur. Bip bip. Ce ticket est déjà périmé, putain. Je dis que je n'avais que 9 balles. Baisse-toi aussi, baisse-toi. Parlez à la dame, quand je vais parler à la dame. Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Et toi? Tu essaies de sauver le monde? J'ai promis au lieutenant Brana de ramener de l'aide. Bonne chance pour en trouver. Comment ça? Mais c'est quoi cette ville mal branlée là? Il y a des trous partout. C'était déjà l'apocalypse avant qu'il y ait des zombies, quand même. Bon, on va devoir aller à l'orphelinat, mais bon, il n'y a pas de route. Plus de route. On va devoir aller... Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Ah, ça, j'aime bien. Oh. Oh. Oh non. Oh. Pagaille. Non mais ça... Putain, mais c'est passé quoi 3 heures depuis là? Oh, me dis pas que. Bon, allez, prends les munitions. Une grenade, ouais. Ouais. C'est tout? Non. Ta putain de lampe là, Léon! Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. C'est dit! Bouge pas! Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore?
Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non ! Arrêtez ! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer ? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma ? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Elle est déjà zombie. Ah. Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord ? Ces saloperies de l'or. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé ? Je sais mon premier jour. C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord ? Et je vais bientôt te mettre au lit aussi. D'accord ? Emma. C'est la tristitude. On l'a très attristé. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Mec, ok, d'accord, mais tu as fait me donner les balles de ton fusil et ton fusil. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Et pourquoi lui ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Bien, Léon, t'es un gentil. Oh, j'ai tes lunettes. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Assure qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Ouais, compte on devait pas chercher une soi-disant... Redfield, là. Claire Redfield, je sais pas. Elle est passée où, elle s'est fait bouffer. Ok. Mais cela dit, nous vérifierons tout cela dans un prochain épisode. Et oui, voilà, déjà l'épisode est beaucoup trop long. A plus, on s'est perdu.